Il est l'heure de dormir. Tu ne dors pas dans la chambre aujourd'hui. L'émission juste avant ma série là. Hey, ma série, elle va bientôt commencer dans combien de minutes comme ça? 5 minutes. Bon, j'ai encore le temps d'aller déposer mon sac vite fait. Le journal. Qui a mis cette chandelle là? Le journal. Et les informations qu'il y a aujourd'hui là. Voilà. Dans 5 minutes, rapidement, j'ai fait aux toilettes. Mais c'est quoi ça? Qui est cet imbécile qui a changé ma chaîne? Un imbécile de première catégorie. Quel imbécile! Ma série va bientôt commencer. Il vient changer ma chaîne. Un imbécile de première catégorie. Chut, imbécile! N'importe quoi. Imbécile comme ça. Edith! Tu t'appelles imbécile! Moi, imbécile! Tu m'appelles imbécile! Attendez un instant, on va parler. Avec tout ce froid, si vous mettez votre voisin. Femme dehors. Oh, chérie, qu'est-ce que toi tu lui as fait? Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais les femmes? C'est ton mari, ma chérie. Non, parce que j'ai changé. Les femmes sont comme ça. Mais ce n'est qu'une télévision. Assieds-toi. Calme-toi. Quand c'est ton mari, il faut quand même l'écouter. Mais c'est bon parce que j'ai dit imbécile, il a changé ma chaîne de télévision. Imbécile? Tu es sûr que ton mari est imbécile? Dans quel monde, ma chérie? Mais tu sais que j'aime vraiment voir mon émission télévisée. Moi, j'ai mis la chaîne, je vais aux toilettes, j'arrive dedans. Il avait changé ma chaîne. Et donc, toi, tu as préféré insulter imbécile? C'est la télévision là qui est imbécile, voilà ça qui vous a gâté même. Je ne dis pas où aller. C'est normal? C'est normal? Non, c'est pas. Une télévision qui a acheté avec mon argent. Un débat imbécile à cause du journal. Et puis, moi, imbécile. Regarde-moi, je suis imbécile. Non, vous n'êtes pas imbécile. C'est sûr que c'est juste une erreur de la part. Elle va partir, elle va partir. Voisin. Mais tu que j'ai importé, exporté de l'Afrique. Oui, les femmes en Europe, tu connais, non? Voisin, tu connais les femmes en Europe. Donc, ça va partir. Même la mienne là-bas, c'est pareil. Il faut juste dialoguer avec le voisin. Ça va aller, vous avez une chambre, elle est calme. Je n'ai jamais entendu des éclats de voix ici. C'est la première fois qu'on entend ça. On est voisins depuis des années. Donc, laisse le mon voisin. Il faut parler avec. Tu as une jeune femme, tu as tout fait pour elle. Elle-même, elle est consciente. C'est parce que tu as parlé, hein. Merci de m'avoir écouté, voisin. Dans cette maison, désormais, à chacun sa chose. J'ai dit quoi? Mais voisin. Elle a compris maintenant, voisin. C'est ta femme qui a pardonné. Il faut pas. Elle a posé.
Voisin, calmez-vous. Laissez-moi ça faire là. Calmez-vous, voisin. Un bagage énorme comme ça là. Un homme s'est fait pour pardonner, voisin, c'est bien. Voisin. Oui, voisin. Calmez-vous. Voisin. Calmez-vous, voisin. Tente encore de m'appeler imbécile. Tente de m'appeler comme imbécile. Imbécile, moi je sais. Ça c'est là. Chérie, il est l'heure de dormir. Mais quel est cet imbécile qui me touche comme ça? Dans cette maison, à chacun sa chose. Et ça là, c'est ma chose. Ça là, c'est ma chose. Tente encore de m'appeler imbécile. Tente de m'appeler comme imbécile. Imbécile de première catégorie. Un imbécile comme ça.